Je bénis le Seigneur Jésus-Christ parce que je ne suis que l'élection de sa grâce ce matin. Pour se tenir devant ses saints et devant ses prédicateurs. Je ne suis pas une prédicatrice. Je suis venue seulement pour apporter le message de Dieu ce matin. Et je bénis Dieu pour passer par l'apôtre établi de cette commission pour m'avoir donné l'opportunité ce matin. Et je bénis Dieu aussi pour vous qui êtes là ce matin. Parce que je sais et je crois. Parce que la parole prophétique a été sortie. La parole de Dieu déclare, aucune prophétie n'est restée sans effet dans la maison d'Israël. C'est-à-dire quand la parole prophétique sort, c'est pour réaliser le but pour lequel elle a été envoyée. Et c'est notre mois de la manifestation de la capacité de Dieu. Ce matin encore, nous avons eu un synonyme de la manifestation. Par l'aide du Saint-Esprit, c'est notre mois de déployer la capacité de Dieu. Et ce matin, je bénis Dieu pour vous. Parce que ce matin, la capacité de Dieu va se déployer à l'entièreté. Et ce défi n'a pas de choix. Si ce n'est que de disparaître ce matin. Dans le nom suprême de Jésus. Notre thème ce matin, c'est engager la puissance de la résurrection pour vivre la restauration totale.
Thème na biso ya tongo lelo ezali engager la puissance de la résurrection. Tokoyeba kosala nguya et la lisekwa. Engager la puissance de la résurrection. Tokoyeba kosala nguya et la lisekwa. Vivre la restauration totale. Bona makambo nyonso ezonga na bomoi na yo ndenge ezalaka. Parce qu'il y a des choses dans ta vie. Ezala makambo na bomoi na yo. Nous sommes dans l'école de guérison. Tozana école de guérison. Jésus-Christ s'est donné. Jésus-Christ a mis pesa. Pour sauver l'homme en entièreté. Bona kobiki sa moto na mobimba na ye. L'esprit, l'âme et corps. Molimo molema penzoto. Il y a des choses que tu déclares, oui, tu déclares. Les anamaka bozo déclarer, y a solo zo déclarer. Peut-être pour ta santé, tu dis oui, je suis forte. Dans mon sens, ce qu'on a zoto na obi na zoto makasi. Mais en réalité, tu ne vis pas ça. Mais zoka na solo zo bika ya kote. Si nous pouvons voir, tu ne vis pas ça. Zoto ego tala zo bika ya kote. Mais ce matin, le Saint-Esprit nous a soufflé. Il a dit que nous engageons la puissance de la résurrection. Pour vivre maintenant cette restauration, que ça soit palpable ce matin. Que tes restaurations en a et mon anapolé le nami son abisso. Après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, il y a une transformation totale. On peut aller dans Romains 6, verset 6. Donc, il y a un Romains, chapitre 6, verset 6. Je prie que le Saint-Esprit ouvre l'entendement de chacun de nous ce matin. Pour voir cet héritage glorieux. Et pas seulement voir pour palper cela ce matin. J'aime cette parole. La parole de Dieu déclare que le vieil homme a été détruit. Le vieil homme. Quand nous venons au Seigneur Jésus-Christ, nous avons cette carapace ancienne qui est la déesse adamique. Tozana zoto wana ya kala oyeza liye na oyo Adam azalaki na Adam ya liboso. Maintenant que nous croyons que Jésus est ressuscité et nous déclarons qu'il est notre Seigneur, la parole de Dieu déclare le vieil homme, celui-là qui avait péché et il y a eu des conséquences du péché, le vieil homme a été détruit. Si on dit que l'usine a été détruite, l'usine wana ezala ki produire peut-être ba jus, si l'usine produisait par exemple des jus, ezala ki produire peut-être ba nzungu, ça produisait des casseroles par exemple. Maintenant on dit que l'usine a été détruite. Eh bien, t'es usine, y'a moi ici, bébé. On ne peut plus voir ce que cette usine l'a produit. Au comment la ressource macambo ici nous allait pour ça la terre. Mais pourquoi nous voyons? Parce que dans notre entendement spirituel, on n'a pas vu cela. C'est comme si quelqu'un en vient t'enlever une charge dans mon tour. Et ça, voilà, bah, maintenant, au temps mais tu marches toujours comme si tu avais cette charge. Tu marches toujours comme ça. Au temps pour la ramener tout ça dans kilo. Devant les hommes qui te voient, tu n'es pas anormal. Ibozo abatu bazo mona yo ça normal. Peut-être toi-même tu te vois normal. Donc si yo mozo bi mona ki ça normal. Mais devant les gens qui te voient, tu es anormal. Kasi ibozo abatu bazo mona yo. On va se demander pourquoi cet homme marche comme ça. Bazo bi tu na po ni moto au temps pour la boue. Asa ne loko na moto. Il n'a rien sur sa tête. Asa ne loko na moto. Mais pourquoi il marche comme ça? C'est comme ça que chacun de nous, les anges, les voient. Quand Jésus a pleuré, dans Jean 11, il a pleuré parce qu'il a eu du temps à parler avec Marie. Malgré que Marthe était là, servie, il entendait peut-être quelque chose. Maintenant, quand il est venu devant Marie. Il a rappelé. Il a dit, n'est-ce pas que j'ai dit? Je suis la résurrection et la vie.
Marie pleurait. Marie a cela qui collait là. Si tu étais là, ce qui mon frère, mais il lui avait déjà dit. Mais déjà, il avait déjà envoyé le message. L'Iloba déjà que cette maladie. Ce n'est pas pour le faire mourir. Jésus a pleuré. Pourquoi Jésus a pleuré? Il a vu que tout ce que j'ai dit à ces femmes, ils n'ont pas cru. Jésus n'a pas pleuré parce que Lazare était mort. Parce que lui-même, il avait déjà déclaré que cette maladie ne serait pas pour le faire mourir. Il a pleuré pourquoi? Parce que tout le temps qu'il a eu a donné des révélations à cette femme. Mais cette femme n'a pas cru à ce que lui il a dit. C'est comme ça de voir le Saint-Esprit est attristé. Mais tout ce que cette génération a eu comme grâce d'avoir un grand Dieu en eux. Et pourquoi ils n'expérimentent pas la grandeur infinie de la puissance de Dieu? Je vais lire dans Romains 6. Romains 6, version 8 secondes. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Là, c'est quel verset? Il y a une autre version qui a dit, le vieil homme a été détruit. Le corps du péché a été crucifié. Mais le vieil homme, l'homme adamique, l'homme où il devait lutter, pour avoir quelque chose. L'homme où les malédictions de Deutéronome 28 l'a condamné. À vivre des hémorroïdes. Il y a une ulcère. Il y a une gastrite. Il y a une cancer. Il y a un cancer. Il y a une maladie qui est en train de se faire. D'avoir des maladies qui ne sont même pas. Cet homme adamique, ce vieil homme, a été détruit. Ici, alors, pourquoi tu vis ce cancer? Ce matin, par la puissance de la résurrection, ce cancer sera éradiqué à l'instant même. Cette maladie héréditaire sera éradiquée, supprimée dans le nom suprême de Jésus. Amen. Version parole vivante. Yes. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été cloué à la croix avec le Christ afin que le péché soit réduit à l'impuissance et que le corps, instrument aussi du péché, soit neutralisé. Voilà. Nous avons été crucifiés avec le Christ pour que le mal n'ait plus de prise sur nous et que nous n'ayons plus besoin d'obéir comme des esclaves à ses sollicitations. Alléluia. Si le péché a été crucifié, ce qui est le corps du péché, alors toutes ces conséquences non plus. Parce qu'on ne peut pas détruire quelque chose et que tu vis les conséquences de la chose. C'est-à-dire toutes les conséquences du péché. Au commencement, là à la croix, Jésus l'a détruit. Verset 6. Yes. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Amen. Afin que le corps du péché fût détruit et que nous ne fussions plus asservis au péché. Notre vieil homme a été crucifié avec lui. Parce que la parole déclare nous nous sommes identifiés à sa mort. C'est-à-dire quand Jésus était là sur la croix. Jésus n'est pas venu pour lui-même. Jésus est venu pour vous et moi. Quand Jésus a été crucifié, la parole ici déclare le vieil homme, l'homme adamique, avec toutes les conséquences du péché, a été détruit à la croix.
Ce vieil homme était la maladie. Motoane akala zalaki bokono. Oppressé. Minyoko. Peureux. Kobanga banga. Parce que tant Mzamba Bimeli a bangi. Quand Dieu lui était apparu, il a eu peur. Il subissait les assauts de l'ennemi, ce vieil homme. Monguna zalaki konyoko laye. Il était envoûté. Azalaki akoloka. Il était maudit. Azalaki ne lakele mabe. Étouffé par le méchant. Moto mabe afinaki. Il était dans le chèque. Azalaki koloma elo kote. Il n'avait pas de faveur. Azalaki nangolute. C'est vous et moi, ce vieil homme qui a été décrit. Moto wana kala zende yo nanga ndenge tozalaka. Tout ce que tu vis maintenant. Nyonso ozobika sikoyo. C'est les conséquences de ce vieil homme qu'on a décrit. Et ça n'est pas conséquence, il y a vieil homme ici, ma baby Saka. C'était des charges. Et ça n'a qui me coupe pas. Que toi et moi ont porté. Oh, naïna yo, ça n'a qui comme pas. On était oppressés. Donc, nous, quoi, ma qui. On subissait tout ce que le monde donnait, toi, tu subis. Donc, c'est quand on dit que, oh, nous sommes au guide, nous sommes au guide. On subissait l'organisation satanique, tous ses plans. Le vieil homme. Mais la parole déclare ce vieil homme a été détruit. Ici à Bébi Sama. À la croix, c'était toi. Quand il est entré na Kunda, quand il est entré au séjour des morts, c'était toi qui es parti. Quand il est ressuscité, c'était toi qui es ressuscité. Il n'est plus sorti avec ce vieil homme. Le Saint-Esprit vient annoncer à quelqu'un ce matin. Et non, on a un zopoun, dit ça, on a ton voisin. C'est qui te combat ce matin. Et déjà resté au séjour des morts. Sois conscient. Et manifeste maintenant la capacité de Dieu. Mais tel est ça, ma coquine, en tant que ce défi, démontre. Parce que le vieil homme a été déjà détruit. À partir de ce matin, tu vas vivre le nouveau homme. Dans le nom de Jésus. Amen. C'est-à-dire quand nous vivons toutes ces choses, c'est une anomalie. Toi, tu te vois normal. Mais dans ta famille où tu es entré, parce que la nouvelle naissance est que tu es entré, tu t'es enregistré dans une nouvelle famille. Maintenant, tu es comme quelqu'un, on s'étonne de toi. Comment cette personne ne ressemble pas? Tu es anormal. Et c'est comme un insulte à la rédemption. Comment il vit les produits, les fruits de ce vieil homme? Il est vraiment dans notre famille. Est-ce que c'est comme ça que vous et moi nous sommes de voir devant le royaume des cieux? Et tant que sous n'a pas conscience, mais si seulement on ouvre ton entendement, c'est quand va fumer au soleil. Tu verras que ce que je vis, ce n'est pas de ma famille. Les alibotarangata. Ma famille n'a pas de maladie. Ma famille n'a pas cette maladie. Ma famille n'est pas condamnée à l'échec. Ma famille est condamnée au progrès. On a la santé du juste. Pas de progrès. C'est-à-dire quand tu dis que Akufa qui paie à Sekwaki. Il est mort et il est ressuscité. Identifie-toi aussi. Yo sangana nakatiwana. Ne vois pas seulement Jésus. Parce que lui, il est venu pour toi. Il s'est donné pour toi. Ami pensa qui pour nayo. Quand tu chantes, il est mouru. Akufa qui? Akufa qui? Dans ta réflexion, Nakatia pensez-la. Chante avec ton esprit. Vois-toi comment tu étais endormi. Le vieil homme est resté dans ce tombeau. Nakatia vois-toi sorti. Mimona Alléluia. Écoute à qui déjà. C'est-à-dire, ce vieil homme, il était dans le chic.
Azalaki nakati échec. Il était envoûté. Alokamaki. Il était maudit. Azalaki de la kalimabe. La Bible déclare même le Deutéronome 28. Le banadzam le bina Deutéronome 28. Alokaki azamutu akobandaka akodefa. C'est quelqu'un qui va continuer à jamais akodefisa ça. Mais il ne va pas donner aux autres. Il ne mangera pas les fruits de son travail. Akolia mbuma ya mosala na ye. C'était ce vieil homme. Voilà le mot de Yakala. Ce matin, le Saint-Esprit veut s'occuper de ce vieil homme. Mais l'homme, moni mosala pour les gars, c'est ça. Avec tous les produits de ce vieil homme. Naba mbuma na ye. Ce vieil homme n'a pas de foi. Moto Yakala n'a pas de foi. Na mbuye ya lisi. C'est éradiqué totalement. Azo longwa penza lelo. Kakrasa. Eh, ok, amen, ayo bien. Te lobo chande. Ozo tangola me bozami balé. Vous marchez, mais vous êtes deux. Tu penses que tu es seul. Le nouveau toi et le vieil homme. Moto ya sikapé, moto ya kala. Tu te présentes devant le jury, tu es deux. Au télémini, bosso, bazou, sikasi, tu te présentes devant un interview du travail, bosami balé. Au télémini, bosso, interview, moussala, bazou, mona, bazami balé. Voilà pourquoi il n'y a pas de faveur. Dalatinanini, ozo, zambola, fouté. Ce matin, ce vieil homme doit être éradiqué. Na tombo, le nom, moto, ane, akale, sikili, akale. Il sera nouveau. Ma robo, na gana, yu, ya sika. Le nom nouveau. Ma robo, na gana, yu, ya sika. Na tombo, na yesu. Il est écrit, tu connaîtras la vérité. Et comment même, yo, koye, ba solo. C'est-à-dire, la vérité, c'est qui? Solo nena. Parce que lui, il a dit, je suis la vérité. Albina Zali solo. La vérité, c'est Jésus. Solo, exacte, Yesu. Autrement dit, tu connaîtras Jésus-Christ. Okoye ba Yesu. Et la vérité vous rendra libre. Pepo solo anande Yesu. C'est-à-dire, le Saint-Esprit veut nous faire entrer dans une autre phase ce matin. Et il veut que nous connaissions Jésus dans sa phase de la résurrection. Jésus après la résurrection. Jésus na sima ya sisi. C'est pour ça quand tu connaîtras ce matin. Donc on voyait pas la tombe. Il te rendra libre. As kokango la yo na makambo. Là tu es pour la liberté. Alors ça pour la bonne chose. Que j'ai affranchi mon peuple. Que naï na kambo li ba sona. Et ça pour la bonne chose. Là yo soyez ba Jésus masia na phase na ye après la résurrection. Que tu le découvre après la résurrection. La liberté totale est ta portion ce matin. Bon sobi ezande ya yo na tombe ya lelo. Je bénis le Seigneur pour la parole qui nous envoyait le dimanche par l'apôtre établi de cette commission. C'est deux choses. L'infinie grandeur de la puissance de Dieu. J'étais resté là. Je me disais déjà que la puissance de Dieu est déjà l'icône. Elle est déjà très haute, très élevée. Mais on dit encore l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Mon aîné, Yanguya, déjà que on dit l'évangile est la puissance de Dieu. Donc, on vient de Sanguela, Mozanguya. Nous voyons que l'évangile, quand il est annoncé, nous voyons des guérisons. Nous voyons des délivrances. Et on dit encore l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Donc, ce que ce matin, le Saint-Esprit veut nous faire montrer qu'après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, Dieu a mis la barre très haute. La barre est placée très haute. Nous allons voir ces deux écritures. Romains 8, 32. Romains chapitre 8, verset 32. Pendant que quelqu'un lit Romains 8, 32, l'autre va lire Éphésiens 1, 18 à 20. Comment autant appelle Éphésiens chapitre 1, verset 18 à 20. Ces deux écritures nous montrent clairement que Dieu a placé la barre tellement haute. Que ce défi que tu traverses maintenant n'a pas le choix que de disparaître. Et ça n'a souhaité la Tongo Yalelo. Malgré les résistants depuis longtemps. Aujourd'hui, ils affrontent la puissance de la résurrection. Amen. Romains 8, 32, s'il vous plaît. Romains 8, 32, version Louis II. Lui, qu'il n'a point épargné son propre fils, mais qu'il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas au
la parole de Dieu dit Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Quand il dit maintenant, il s'est dit, Jésus est Dieu n'a pas épargné son propre fils. On ne peut pas voir que Dieu lui-même ne s'est pas épargné. Parce que Jésus-Christ est Dieu. C'est lui le créateur de l'univers. Sa parole a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est-à-dire Jésus est Dieu. Autrement dit dans cette parole, il dit, on peut le dire, il ne s'est pas épargné lui-même. Il s'est donné. Il a dit maintenant à combien plus forte raison. Il ne donnera pas aussi toutes les choses. Quelqu'un peut répéter toutes choses. Toutes choses. Il n'a pas précisé. C'est-à-dire ta limite, c'est toi-même. Lui, il a déjà placé la barre très haute. Il a dit combien il ne te donnera pas aussi toutes choses. Parce que c'est lui qui était précieux pour lui-même. Mais mon ami Bondi, il s'est donné à Koufi, il est mort, à Sekoui, ressuscité. Maintenant, comment il ne te donnera pas aussi toutes choses? Bondi a repris, mais avec lui, et le bon aïe, nous voyons dans cette écriture la barre est placée très haute. Amen. Et la limitation, ce n'est que toi. Limitation, c'est ça, Rayo et Zayete. Ne limitons pas Dieu, s'il vous plaît. Ce matin, le Saint-Esprit dit, ne limitons pas Dieu. Même cette maladie incurable. Même cette maladie qui a disparu, mais dit qu'il y en a un signe. Et dit qu'il y en a un signe, où est-ce que le vieil homme est toujours là? Elle a laissé des séquelles qui prouvent. Ces choses vont être éradiquées. La puissance de la résurrection est dans la salle. La puissance de la résurrection est dans la salle. Ça dépend de celui qui veut. Alléluia. Ephésiens 1, 18 à 20. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, 19, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. 20, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Amen. Amen. L'infinie grandeur de la puissance des dieux a été déployée lors de la résurrection de notre Seigneur. L'infinie grandeur de la puissance des dieux. C'est-à-dire, avant la résurrection, on vivait la puissance de Dieu. On vivait la grandeur de Dieu. On est allé plus profond avec l'homme de Dieu dans les définitions. Ce matin, déployer, c'est quelque chose qu'on a plié. Maintenant, on a déplié cela. Ezala ki eloko basangisaki makangisi esika moko. Bakumbi yango. Après bafungoli. Déployer. C'est-à-dire avant la résurrection. Yamboli c'est quoi? C'était plié, l'infini était plié. La puissance de Dieu était en action. Et Jésus l'a gardé. Dieu l'a gardé. Jusqu'à ce que Jésus est entré dans la tombe. Là maintenant, il a déployé. Maintenant pour la résurrection. Et la définition dit que déployer, c'est étendre. Il n'a pas seulement déployé pour Jésus. Il a étendu aussi pour son corps. Son corps, excusez-moi ce matin. Dieu a déployé la puissance infinie de sa grandeur. En toi. La barre est placée très haute. Voilà pourquoi
nous voyons Pierre. Avant la résurrection, il était comme normal. Mais après la résurrection, il s'est mis, c'était juste acte 3, après juste la plénitude du Saint-Esprit. Dans le chapitre 3, ce n'était pas même dans les chapitres lointains. C'est-à-dire juste après la résurrection, Jésus les a apparus. Alors vous recevrez une puissance. Jésus devant maintenant ces paralytiques. Et paralytique, voilà. Il a dit ce que j'ai. Qu'est-ce que Pierre avait? Il avait la finie grandeur de la puissance. Devant la finie grandeur de la puissance de Dieu, il y a des choses qui se passent à l'instantané. La finie grandeur de Dieu ne diffère pas des miracles. La finie grandeur de Dieu ne reporte pas le miracle. Ce matin, dans la puissance de la résurrection, que tu la reçois maintenant. Et comme on nous sommes si bien, l'obité à la maison. Maintenant, la l'obité. Et que nous sommes la ressuscité. Rabashaka taraba son teblani. Yo simba kaka ici kawana. Juste au vieil homme à ça qu'on manifeste. Là où ces vieux hommes se manifestent. La puissance de la résurrection dans la salle. Oui, elle sait quoi ça. N'attends pas que le message finit. Parce que la puissance de résurrection est aussi moyenne. Pierre a dit ce que j'ai. Pierre avait la compréhension. Nous vivons maintenant la résurrection. Nous sommes dans une étape de après sa résurrection. C'est que je te donne. C'est que je te donne. Dans le nom suprême de Jésus. Et si nous étions ressuscités ensemble, si nous étions ressuscités ensemble avec lui, nous incarnons cette extraordinaire puissance. Nous incarnons cette grande puissance en nous. Et ce matin, devant ce défi, nous allons manifester cette infinie grandeur de Dieu. Devant ce défi, nous allons manifester l'infinie grandeur de la puissance. Et ça, même si tu étais limité, c'est vrai. Tu as lutté par ton intelligence. Tu as fait tout ce qu'elle pouvait faire. Mais le Seigneur Jésus-Christ te parle ce matin. Engage la puissance de ma résurrection. Engage la puissance de ma résurrection. La puissance de ma résurrection est illimitée. Yo, osa limité, mais ma puissance de la résurrection est illimitée. Yo, osa l'andelo, kasi guya nanga ezangandelo. Maintenant, nous allons entrer rapidement avant le service. Comment engager la puissance de la résurrection? Oui, le Saint-Esprit nous parle de la finie grandeur de la puissance de Dieu. Mais ce matin, dans cette école de guérison, parce que nous sommes venus pour que nous soyons guéris tout entièrement. Que ce mari de lui doive être parti. Cet enfouissement doit disparaître. Cette maladie doit partir. Et ça la compagnie. Quelque soit son nom. Comment engager la puissance de la puissance? La première des choses, c'est l'appartenir. Parce que la parole de Dieu déclare, dans la version Semeur, Éphésiens 1, 18 à 19, version Semeur, ce qui vous suit. Éphésiens chapitre 1, verset 18 à 19, version Semeur, yes. Je lis au nom de Jésus, verset 18. Qu'il illumine ainsi votre intelligence, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés.
Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint, verset 19. Et quel est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, en nous qui plaçons notre confiance en lui. La parole de Dieu déclare, le Manatha Melobi, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent. Boni bomengo wana etonda na kembo o nzanga pesi na bino baboro boza ya ye. Il faut d'abord l'appartenir. Et l'eau quoi du bossé, ça dit, c'est que Dieu s'appelle. Pour que tu puisses mettre, pour que tu puisses engager la puissance de la résurrection. Pour être yé par bossé, la mouillère, il sait quoi. La première des choses. Et l'eau quoi du bossé, il faut l'appartenir. Et c'est que Dieu s'appelle yé. Parce que quand tu l'appartiens, quand vous avez yé, dans la décision que tu as faite, na mokano o yo zui. Tu as été ressuscité ensemble avec lui. Mais si tu n'as jamais décidé personnellement, c'est-à-dire tu n'as jamais été ressuscité avec Jésus, et à la fin des choses, tu ne lui appartiens pas. Le Saint-Esprit veut donner l'opportunité à quelqu'un ce matin que tu veux entrer dans l'héritage des saints. Dans cette glorieuse richesse, la richesse qui fait part à tout celui qui lui appartient. Tu n'as pas besoin de t'élever. Parce que tu es devant ton Créateur Jésus. Et il veut devenir ton Seigneur ce matin. Côté les matins, au tomboli le poko na yosikozali. Lève juste ta main. Au tombola le poko. Parce que la parole dit, c'est lui qui le déclare publiquement qu'il est son Seigneur, il est sauvé. C'est un privilège pour vous ce matin. C'est un honneur pour nous. C'est un honneur. Ce n'est pas question d'avoir. Si ce matin tu accomplis la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus. C'est un privilège pour nous. C'est un privilège. Le Saint-Esprit va te prêter ses déclarations. Tu ne déclares pas les mots d'un homme, mais tu déclares les mots qui viennent du Saint-Esprit. Élève ta main partout où tu es. Seigneur Jésus-Christ. Kolo Yesu Kristo. Lelo na yoki mungongo na yo. Na sosoli ete ozali mokeli na ngai. Lelo na ye olimbisa ngai. Limbisa masumu na ngai. Na sosoli lelo ke okufa kipo na masumu na ngai. Petolanga na makila na yo. Na ntimi na motema na ngai. Ke osekwaki. Lokola na ntimi yo lelo. Ngape na sekwi na yo elongo. Na nzela ya kondima na ngai. Na botami ya sika. Na yambi bomo ya seko. Na komi mwana nzambe. Kombola ke komami na buku ya bomoi. Na déclaré liboso ya basantu okomi mokonzi ya vie na ngai okomi pe mobikisi na ngai kobanda lelo na zwi mokana ya kosalela yo ya kolanda yo kino koya kozwanga na nkembo na yo topeteli Yesu masi ya maboko rabaka shaka tele bosoto Père, nous te rendons toute la gloire. La première des choses, c'est de l'appartenir. Maintenant, la deuxième chose, c'est en mettant toute sa confiance en Dieu. C'est-à-dire une confiance absolue. Tu enlèves d'abord cette confiance-là à la médecine. Longo la confiance dans ma bakisi va comédio.
Tu retires cette confiance des produits qu'on te donne. Longo la confiance na médecin wana oya lobi yo kaka po opota esengeli oleka na grossesse assistée. Retire ta confiance des conseils des médecins. Longo la confiance na yo na mutu wana. Retire ta confiance de cet homme, cette personne qui s'est dit yo kozwa promotion te. Tu n'aurais pas eu cette promotion. Longo la confiance na mutu wana. Retire ta confiance de cette personne. Osa wana osa en Occident. Longo la confiance non na mutu wana o esengeli a signé ba papier wana. Et retire ta confiance de cette personne qui doit signer ses papiers. Longo la confiance na yo, longo la. Retire ta confiance. Mets ta confiance absolue en Dieu. Yo tela kaka nzambe motema. Parce que cette parole dit ceci. Verset 19. Version Semeur. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur à nous qui plaçons notre confiance en lui. Il met en œuvre seulement à ceux qui placent leur confiance absolue. Azo tchambuya wana na mosala kaka bona bato bazo tchela ye motema. Longo la confiance donc que likambu na o ana pesa la résolu. Il faut les kaka katenge patinyo sur les kaka. Retire ta confiance du fait que tu attends que les choses se passent comme à l'ordinaire. Extraordinaire. Non, vous êtes extraordinaire. Likambu na o sengeli les katenge patinyo sur les kaka. Ce qui vous concerne ne doit pas se faire comme tout le monde. Longo la confiance, longo la idée wana. Retire cette confiance. Alors, il met en action seulement pour ceux qui placent leur confiance en Dieu. C'est ça la deuxième des choses. Version français courant, verset 19. Et quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants? Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifesté avec tant de force. Voilà, pour nous les croyants. Pour la biso bandimi. Parce que la confiance est croire. Pour être coacha moté mais ça ne compte pas. La tongo ya lelo. Ce matin. Mets ta confiance totale, ta confiance absolue dans la puissance de sa résurrection. C'est la kaka nguya na nzambe mosé pa na mosé. Dieu qui mérite ta confiance ce matin. Kaka nzambe na bongio tie na ye mosé. Ce n'est pas ce médecin là. Et ça mon mangawa. Ce n'est pas cet homme là. Et ça mon doana. Ce n'est pas cet homme là qui a dit yo kaka pole ka place on est faux gars. C'est pas cette personne qui se croit pour être surpris. Parce que la puissance de la résurrection est qu'on tient ye mou panti pe yo bolé là. Rabaka son sobra da jete kiri. Parce qu'il a dit dans sa parole, et toi, il donnera les hommes à ta place. Il peut donner une nation à ta place. Mais ta confiance absolue en Dieu. Il a dit pour toi, il donnera les hommes. Il donnera les nations. Mais ta confiance absolue en Dieu. Si la crucifixion est la preuve suprême de l'amour. Nous tous nous savons que Jésus est passé à la croix pour montrer son amour. Si la crucifixion a montré et la preuve suprême de l'amour des dieux, la résurrection est la preuve suprême de la puissance des dieux. Lisez quoi? Ezali et le réseau talisabiso nguya et nzambe. La crucifixion nous a montré l'amour des dieux. Koba kamene kulu se talisabiso bolingona. La croix nous a montré l'amour des dieux. Et kulu se talisabiso bolingona. Mais la résurrection. Kasi lisez quoi? Nous a montré. Et talisabiso. La puissance extraordinaire. Nguya nzambo et l'équipe de l'eau. Kaka sonso machane. Ce matin, le Saint-Esprit veut que nous puissions faire quelque chose. Je ne sais pas s'il y a huile d'onction qu'on peut passer. Nous avons vu avant sa résurrection, on est venu avec huile.
pour prophétiser déjà sa résurrection. Et l'huile représentait ça représentait que le Saint-Esprit. C'était une ombre. C'est-à-dire on prophétisait déjà que la puissance du Saint-Esprit sortira cet homme dans le tombeau. Et par l'onction d'huile ce matin, et l'onction se couvre la carte. Toutes choses mortes en toi. Et l'onction se couvre la carte. Toutes choses mortes dans ta maison. Et l'onction se couvre la porte. Dans ton foyer. Et sauf c'est quoi au nom suprême de Jésus. Parce que l'huile a prophétisé la finie grandeur de la puissance de Dieu. Ce matin, par ce contact, nous mettons notre confiance absolue en Dieu. On ne met pas la confiance sur l'huile. L'huile est seulement le point de contact. Alors, quand l'huile touchera dans Jacques, c'est le Seigneur qui le relevera. Alors, quand tu es malade, va chez les anciens. Ils prieront pour toi. Ils vont toindre l'huile. Mais ils n'ont pas dit c'est l'huile qui va te relever. Ils ont dit c'est le Seigneur qui va te relever. Mais donc, il y a des choses. Guérison à Yon et si elle soit mise au nom de Jésus. Ta guérison est déjà établie. Ta délivrance est activée au nom de Jésus. Veillons nous lever. Est-ce que vous mettez la Yesu Masi à ma boko ma kasi? Lui les collègues. Les récipients vont passer. Ok. Tu n'as pas besoin de plonger ta main tout entière. Alors, les anciens vont loindre l'huile. Alors, et le Seigneur le relevera. Ma foute à paix, et ce matin, nous voulons palper la puissance de la résurrection. Père, dans le nom de Jésus-Christ, ce service est béni. Service cette huile est contaminée de la puissance de la résurrection. Pour vivre des preuves palpables de la résurrection. Par ce contact, que toute maladie, parce que tu as placé la barre très haute, tu es illimité. Toute maladie soit supprimée au nom de Jésus. Que l'enfoutement soit déguerpissé au nom de Jésus. Cet assaut de l'ennemi soit dissipé au nom de Jésus. Amen. Oppression, on a un long au nom de Jésus. Étouffement, je ne sais pas qui t'a étouffé. Je ne sais pas quel agent du diable a étouffé ta destinée. Par ce contact, étouffement, on a éloqué au nom de Jésus. La puissance de la résurrection est l'ongola à l'ibanga. L'ibanga n'yoso. Et à la solidité nago. Et le poids au nom de Jésus. Amen. La délivrance est totale au nom de Jésus. Et chaque wana est le poids. Vieille homme wana na ba racine na ye abimi au nom de Jésus. Vieille homme wana na ba lutte na ye abimi au nom de Jésus. Et le cognon se sent attaché na vieille homme. Vieille homme wana na son bima au liberté na yo totale. C'est content des autres désactiver vieil homme et ça dit activer nouveau homme. Amen. Par cette option d'huile, vieil homme est à désactiver. Amen. Nouveau homme est à activer. Amen. Et on peut vivre un nouveau homme n'a pas un résultat n'a pas preuve n'a pas dans le nom suprême de Jésus. Amen. Pendant que l'huile est dans les gars. Parce que le Seigneur, le Saint-Esprit a dit ce matin, lui-même il est entré en procès. Lui-même il est entré en procès. Par rapport à cette attaque-là, par rapport à ce défi-là, il a dit il est entré
en procès lui-même. Voilà ce que le Saint-Esprit te dit ce matin. Esaïe 49, 24 à 25. Avant lui, les guéris. Esaïe 49, 24 à 25, personne lui sait donc. Le buton du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la captive faite sur le juste échappera-t-elle? Verset 25. Oui, dit l'Éternel. La capture du puissant lui sera enlevée. La capture la capture du puissant lui sera enlevée. Le vieil homme là, oh ya qui n'a pas camounio sur ma péwana, bah le biba son potolaye, azo ça l'a supprimé. Yes. Et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Il y a une version d'Aïe, ceux qui se meurent, moi-même j'entre en procès. Gamon Konzamba, le Seigneur déclare. Yes. Merci en parole, c'est, vous, c'est pour vous et moi. Mais Gamon a tout Pundaki Pundaki, à l'obéir mon par la puissance de la résurrection, à côté en procès. Amen. Version Lingale Alelo, verset 24. Jérusalem, ma potolaka, ma soda biloko, oyo, ma zoa qui n'a mis tout bas. Nani moto akoki kolongola baumbu na maboko ya mokonzi ya mabe. 25. Yahweh alobi na yo. Yes. Ya solo. Yes. Na kobotola basoda biloko oyo bazwaki na mitumba. Na kolongola baumbu na maboko ya bakonzi ya mabe. Na kolongola baumbu na maboko ya bakonzi mabe. Ngai fo. C'est que la puissance de la résurrection solo quoi. Wana et faut prendre la par force. Amen. C'est pas qui t'a pas le diable a utilisé quelle forme Satan a pour te mettre en captivité. Pour le retenir en captivité. Il a dit lui-même par la puissance de la résurrection. La bouillie a lissé. Il va te gagner. Amen. Na kolongola baumbu na maboko ya bakonzi ya mabe. Ngai moko na kosambisa banguna na yo. Bena kopiki sabana na yo. Alopi ngai moko na kosambisa. Mafuta bati koleka. Otomboli osuka na mafuta ote na maboko na yo. Totomboli maboko na yo. Élevons nos mains. Parce que c'est un point de contact. Oui, c'est un point de contact. Tu vas palper la puissance de la résurrection. Il y a certains Okoyoka. Il y a certains, tu vois, sentir. Parce que quand Marie, l'onction suprême, a été saluée Élisabeth, Jean-Baptiste, l'onction inférieure. Quand Marie était venue saluer Élisabeth. Élisabeth a yoki bafoui en train d'aller bichir. L'enfant dans les entrailles d'Élisabeth avait dressé. Parce qu'elle était en contact d'une onction supérieure. Et ça, là, nous sommes physiquement. Il y a des ceux qui vont le sentir physiquement. Parce qu'on ne peut pas contester devant la finie grandeur de la puissance de Dieu. S'il vous plaît, la sœur Becky, tu peux chanter ce cantique avec ton esprit. L'onction du Saint-Esprit est là. L'onction est là. Sa main nous touche. Pour voir l'entendement spirituel de ce que tu viens entendre. Au Kandimi Sunayo, ne sois pas distrait. Avec cette huile sur tes mains, cette huile sur tes mains. Et la machine.
Yeah.
s'élève. Encore Jésus, 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 tu es célèbre. Jésus, Jésus, tu es célèbre, alléluia, tu es célèbre, alléluia, tu es célèbre, tu es célèbre, c'est ça. Tu es célébré. Alléluia, Azali Koloya Maladi Wana. Il est au-dessus de cette maladie. Azali Koloya Défi Wana et Minami. Il est au-dessus de ces défis. Azali Koloya Oppression Wana. Il est au-dessus de ces oppressions. Azali Koloya Ba Alliance Familiale. Au-dessus des alliances familiales. Azali Koloya Ba Hôtel Yosu Atongana Libotana. Au-dessus de tout hôtel. Azali Koloya Yosu. Au-dessus de tout. Et à son nom, tous genoux fléchis. Nazelaya et Pakulamiro, genoux Yosu. Il y a maladie, il y a oppression. Et vous avez la tombe à l'élo. Jésus, 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 Nayo Kayo, tu es. Yes. Oh oui, Jésus, 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 allons-y. Tu es célébré. Tu es célébré. Glory to God. Tu es célébré. Le Saint-Esprit est prêt d'agir. Par cette onction-là. Alors, lui, d'onction et l'image du Saint-Esprit. Accordé en vue de service.
Et Yozoana na lina et ok, Molimo Santo Azo Sala Moussala. Dès que tu es là, le Saint-Esprit. Bah, Angelou Yazan de Bazo Sala Moussala na Kadis. L'histoire de Dieu se comprend à Jésus. Ne soyez pas distrait. Gozala distrait. Il y a que Ocheke, Omonike et Lokwese Salami. Check juste. Quelque chose est déjà passé. Au total, là, il est en place. Je vais vérifier que la chose n'est parce qu'il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Oh, yes. Masho barakata bayati gerebe. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Yes. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Il est écrit l'onction prise tous les jours. Et pas pour la maison, mais c'est là et pas pour la miwana. Par cette onction. Nous sommes constitués sur la vie d'ailleurs. Na sakoli est apprisé à l'instant. Na lobe est apprisé à l'instant. Et ça détruit à l'instant. Au nom de Jésus. Élève tes mains, ne sois pas déçu. Soyez pas déçu. Quelque chose se passe. De l'ombre de Salema. Osawana. Tu es là. Vous avez un mouvement étrange dans Zotonaï. Tu as des mouvements étranges dans ton corps. Dans Zelaya et Pakolamirio. Par cette onction. Cet mouvement étrange est à détruire na tombo et alilo. Na kombo na Yesu Masia. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Yes, azo sala. Il est en train d'agir. Et soprosia la mashalaba. Problème y a misu. Un problème au niveau des yeux. Problème y a misu. Problème aux yeux. Obikisami okangolami. Guéri et délivré. Obikisami okangolami. Guéri et délivré. Na kombo na Yesu Masi. Au nom de Jésus. Banda komeka oyozo koga osalate. Essaye de faire ce que tu sais bien faire. Jesus. On t'a donné une mauvaise communion. Quand j'ai dit, il y a toutes sortes de communions. Il y a des bonnes communions, comme la communion des sachets et son sang de Jésus. Ils ont bonnes communions. Mais, oh, il y en a Zoloba. C'est une mauvaise communion. Ozawana. Vous êtes là. Ma pétition n'a pas bougé. Durant le sommet, on vous l'a donné. Et après cette communion, on a semé un collier. On va dire comment on a tout on a bien les soucis. Tu ne te sens plus bien. Zaminanga moni on a tout. Mon Dieu t'a localisé. Et au Congo la mine brise. Délivré. Alors mais tout ce masque que mon père n'a pas semé, ça doit être déraciné. Na pétition pétition on a communion on a balayé. J'ordonne à cette communion. Déracine-toi au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. La commande communion à la vie. J'ordonne à cette communion de Jésus. Et je crois que c'est la base elle. Ma chota la bataille à l'église. Et roche, 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 et Sokopo. Le Saint-Esprit n'en a pas encore fini. Élève tes mains. Tambo topo la mabokona. Élève tes mains. Ishoboro sanderia palakatsiko. Jekeleme, sekeleme, sekeleme. Nalobi, toutes ces masques que mon père n'a pas semé. Konanyo sotata nanga alonite. Impose le bokona yona. Les bobos, et à la mobile, moi, si comprends de mon temps. Semences, toutes semences, balaisio. Quand t'as donné, oh, j'attends un gars, n'a Nicolo à l'aisio. Que mon père céleste ne t'a pas donné. Et qu'on qui cause la physiquement mourir. Ça peut être physiquement. Et qu'on cause la peine à d'autres. Ça peut être. Et qu'on cause la séa pour lui. Ça peut être pendant que tu dormais. La télévision a mené toi. Je me tiens à la vie.
soit pas distrait. Yes. Le Saint-Esprit m'a dit adresser cela. Et bêler nombreuses personnes. Pour s'occuper d'un monde, ça y est, avant les pas à la montre, on a avant les pas à la na minute, oui. En cet instant même, Ozawana, tu es là. Oye, pite. Tu ignores. Yo, l'air biloko normal, na mis na yéza normal, mais na olim, yéza normal. Tu penses que tu as mangé de la nourriture ordinaire dans l'esprit, ce n'est pas la nourriture. Na pelisi moto ya molimo mosantu. J'allume le feu du Saint. Et tu m'as semencé au sobapé. Consume toute mauvaise semence. Moto ya pela. Il y a du feu. Fire. Moto. Na tumbi semence. Je consume toute semence. Na tumbi semence. Je consume toute semence. Oh les ailes, ta casa mette na tumbi ako. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Na tumbi ako. Je la consume. Na komba na yes. Au nom de Jésus. Na déraciné semence. Je déracine cette semence. Na déraciné, na déraciné semence. Na déraciné semence. Je déracine cette semence. Et bima. Et sort. Au nom de Jésus, bima. Sort. Bima. Sort. Au nom de Jésus. Bima na komore. Shirabasane. Shirabasane. Kenya masuka. Out. Sort. Bima. Toutes ces mains qui mon père n'a pas semé dans l'obi, et puis manazoto na yo. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Allez, maman, chale. Dans le bisement, si on soit épima, sort. Yango, on a eu bima. Sort. Bima. Dans le bisort. Bima. Dans le bisort. Bima. Au nom de Jésus, sortez. Bima. Sort. Bima. En combo, on a eu au nom de Jésus. Si Jésus a dit tout ce masque, mon père, va se dire. Doit être déraciné. Aïe, que ce qui est calé, et qu'on va nous empêcher. Amen. Jésus savait que si ça persiste, ça va t'empêcher. Mais sans ça, sans ça, sans ça. Ça, c'est si que l'esprit wana est bimé. Dans la Bible, dans la Macomé, les Saintes Écritures, ma foule foule les autres, ma namou kabatou, ma foule à mon Dieu, Jésus passe à tout cela et délivrance. Et si l'on a un témoignage sur toi, l'obé. Le Saint-Esprit a dit que ce n'est pas encore fini. Quand la mission a imposé les mains, la limon pour toujours. Pose toujours ta main sur ton ventre. Il y a quelqu'un, il y a des gens. C'est ça la parole. Pose toujours à l'aider à sauver même là, maintenant. Ce n'est pas encore fini. Et si l'on a noté. Pourquoi qu'il y ait un temps pour la corps étrangère et au lingot vivre épanouissement. Et loco. Yes. Yes. La révolte, yes. N'a déclaré na combo na Jésus c'est mansioso et batama na pelisi moto ya bolimo sa tuba et tuba sonne 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 au nom de Jésus la combo na et ton nom sonne dans cette viva viva na soto wa viva na soto wa comme si nous mal à l'aise sonne nom de Jésus sonne nom de Jésus sonne nom de Jésus sonne nom de Jésus Suza basezu, maza suze bandere, oza supranezu, mara suze kendori, ale suza busazi, suzezu, ale busa suzazi, suzezu, Missa luz capatorie, missa luz abatane, me
koskali ya mahuza si masa suza brandeye masoze kadusa su Jesus azizi masoze kadusa su Jesus abadi hallelujah mashekeri alaba. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole ce matin. Le vieux homme est détruit avec toutes ses faiblesses, des maladies, tout. Et aujourd'hui, nous portons les nouveaux. Oh, yes. Allez, Kapora, Chane, Kerebe, Soukouria. Tu mettez les Yesu, ma boko, ma tasse. Acclamons Jésus. Mettez la Yesu, ma boko, ma tasse. Beta, beta, beta. Jésus. Qu'on perde la présence, soit la terre. Ne perds pas cette présence. C'est pas encore fini. Va dans la place, là. Reste assis. Quand tu viens dans la présence de Dieu, il faut être sensible. Sensible. Dans la présence, il faut être sensible. Voilà. Parce qu'il agit à tout moment. Même la dernière minute. Tout le monde va te bénir, va pixamine la oui le bonheur. Yes. Ce qu'on perd la présence soit la tienne. Ne perds pas cette présence. Pambolisa avec la matière. Allélu. Nani a pambolami. Qui est béni par ce message? Loba, mon vieil homme est déjà détruit. Mon vieil homme est déjà détruit. Alléluia. Au latin zoto yasika. Uzoto ya ye, tangwa kufi, to kufi elongo na ye, tangwa seku, to seku elongo. Tangwa kufaki, uzoto wana, oyo ikufaki yangote ye, e seku waki. Amen. Si se komsa, tangwa lazakwe ya kufi, a seku, e segeli, a seku wana, uzoto wana ya kala, na maladi. Me, tangwa seku waki, vye on wana, e kendake za detui, na maladi. Yangoto yoki na matia oyo. Le vieil homme est déjà détruit avec toutes ses faiblesses, ses maladies, ses tout. Le vieil homme est détruit. Alléluia. Tu sais quoi qui est le connaître? Je suis ressuscité avec lui. Oh, tu sais quoi qui est le connaître? C'est lui avec qui nous sommes ressuscités, ne tombe pas malade. Alléluia. Amen. Praise the name of Jesus. Alléluia. Nango na lakeli maladi na vi na yo mabe. Eloko ebeli sakayo eza modi ekufi na vie o mwana. Yango alobi okoyeba solo tango koyeba bala moko okangola ni. Okokisi komene ton. Na kundi angona siya makila na Yesu. Na kundi angona siya makila na Yesu.
et disparaître. Yes. L'œuvre est Yosu et disparaître. Ok. Donc, on va voir le canal missionné. Alors, c'est un couillard pour le saint et traverser bien. Et on comprend un mouvement et qu'on s'en est pas qu'on change. Parce qu'il est écrit tout nom soumis à ce nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes choses sont dans ce monde, sont dans le monde à venir. Donc, à temps, vous pouvez. Je confie ces droits dans mon côté bas. Bino bana na kati alibo. Vos enfants dans leur sein. Na lobeli bino na kombo ya oyo a forma ki bino na kati alibo. Na lobeli bino na kombo na Yesu Masia. Vos changez position. Change position. Au nom de Jésus, change, 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 change position, change. Na kombo na Yesu. Oh yes. Massa kota liya yaka. Yes, mama ya wana. Yes, 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 yes. Na kombo na Yesu. Na komande position mwana ishaje. Mutu na se. Makolo Yesu kubale likono. Mutu na se. Makolo Yesu kubale likono. Au nom de Jesu. Au nom de Jesu. Eroso kota liya mashalata. Na pameli. Manipulation yosu a la base. Oye sali gaza na position mabe. Alors, il faut que nous ayons un peu de temps pour que nous puissions nous faire un peu de temps. Yes. 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 Change position. Change position. Yes. 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 Yes, yes. Isopa kataka kataka kataka. Charge! Mutuna se makuloso mbaleko. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na lobi na kombo na Yesu. Mutuna yo na se mwana. Makuloso na yo nyoso mbaleko. Yes. Jona ningani na limugu ya mama na yo. Tangwa yoki. Mugongo ya mari. Paka yoki mugongo ya mukeli na ye. Na zela ya mari. Na lopeli na koko na Yesu. Balusa. Motu na se. Nomi Yesu. Isho prasa kataka ya jaba. Yes. Kepi so sepa. Yama ya kataka ya jaba. Gede gede gede. Mane motu na se. Makolo Yesu. Mibale. Est-ce que Yoki est obligé? Est-ce que Yoki prosi a massa susa paragatus? Mayata takaya. Na pameli. Oh, 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 oh. Na pameli esprit de mort. Oh, maman, est-ce que Yoki est obligé? Ozoyoka. Hein? Ozoyoka. Voilà. Na pameli esprit de mort. Pameli tout esprit de mort. Pameli manipulation de mort. Charge! Motu na se. Makolo. Yon sobi bale ikolo. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Yes. Mashera. Mama, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Azo ben la vie là-bas. Fire! Fire of the Holy Ghost. Yes. Thank you, Jesus. Après comment azongi na vie et azolo va les choses. Azotel ma bébé, azotel ma bébé pour nous dans nos azolo. Père au nom de Jésus, papa, Yosu est affecté cerveau.
a déclaré et ça l'a restauré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, a décrété restauration à 100%. Azambou la bonne. Avant. Ok. Au nom de Jésus, on a décrété un miracle créatif et salé. Comment elle s'appelle? Comment elle est? Bafalanga. Ma? Bafalanga. 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 Comment tu t'appelles? Servonayo is a restore total man. Oh, non, de Jésus Christ. Nani a ebi ke soki moto azana se a koma. C'est-à-dire, oxygène. Hein, oxygène. Et so kota le souzo bien te na cerveau. Et pour ma kaba cellule, ya cerveau. Yango yo ki na sambeli ke. Et le cognon se est abîmé dans le cerveau. Et ça l'a restauré. Bon, le mot santo a salé, mon salé. Est-ce que ton coquille au pèse la yes, ma bonne place? Maman, position est chantée, tu peux partir. Maman, aidez. Alléluia. Le temps de témoignage. Pèse la yes, ma bonne place. Merci à lobby à la moto à ce qui n'a le collé salé et puis mais ça que le bon la baba babi bon mon coboué mais à lobby tant qu'on est à ton goût à l'élo à yépé n'a bouton ou à l'anassé à l'okolonaïe mais tant que maman a bandit qu'au salaba déclaration lobby appliquer l'édonction et maman lobby a vu l'édonction appliquer place pour donner ça la qui à lobby sur place. Ayo, ayo kim balamoko potawana e panzele bandiko bimisamai. Abane meko kwa kotambola, me abandiko tambola e kauki sur place. Yangwe kope sanzame, merci. Tobete liye sumasi ya maboko makazi. Lakisa voisin denge babete la kaye sumasi ya maboko makazi. Sena biso paye kope sanzame, merci. Alobi, anyo kwa mina dule na mutongo. Mais tant que maman va dire que ça la service à l'obi, appliquez oui l'onction wana, sert à l'obi, assure l'onction, appliquez en go dans le combo. À l'obi, tant que kaka appliquez en go, tout l'air à bané koyoka, nyonso et disparaître, dengue à zaboy, à ta passe dans le combo, zate, yawe kope sazame, merci, tope telie soumasia, maboko makas. La tisa voisin dengue babete la kaye soumasia, maboko makas. C'est un abyss au pétrole, comme on a aussi collé Kalibosawa. À l'obi, deux semaines, il y a pas si n'a dit bon. À l'obi, tant que vous avez fait la quête à l'eau, pas soi. Mais maman, à l'obi, dengue, kaka, bozo, pakola, et pakola, nyoyo. À l'obi, bozo, bénéficiez de la résurrection, il y a Yesu Masia. C'est à l'obi, à ce que vous avez appliqué à mon album. À l'obi, m'balamo, payoka, moto et bandit, au salaïe. Dès que vous avez retrouvé le bossawa. Alobi après savoir qu'on a pu appliquer ou donc wana, tout le wana y a deux semaines à l'écoumounaye et disparaître sur place. Dengue à Zaboy, à Zata la passe mon côté, Yahweh Kope Sazame, merci. Tobe Delie Soumasia, Maboko Makaz. Yebisa Mouniga, Yope, Yayozos, Kalamingite. Et Maman Paye Kope Sazame, merci. Alobi, service à ou donc son élevé à la Tipounaye. Maman lobi a santaka nzere biloko ezo tambole na libumu e akutana na batu moko ba ebise ba lobi ozana batu moko tambola kana ba ngonde ba sala ko biloko wana me maman lobi tambo aye na tongo alelo biloko wana santaka ezo tambole na ba presence wana santaka alobi tambo maman lobi bo aplike wi donction sera lobi tambo kaka aplike wi donction na biloko santaka nzere ezo tambole na libumu
alobi ba efe wana esili surprise. Denge asaboy, abiki sami, akambolami, yango alobi akofanda kimiate, ayeko pesa zame merci. Petela Yesu maboko makasi. Rends grâce à Dieu pour la parole qu'il a envoyée ce matin. Rendons grâce à Dieu parce que nous avons eu le privilège d'écouter la révélation de sa résurrection. Père, nous te rendons grâce. Merci parce que tu as envoyé ta parole. Tu as envoyé ta parole nous a guéris. Ta parole nous a fait sortir des fosses. Ta parole nous a délivrés. Nous te rendons grâce pour ton onction que tu as activé ce matin avec des guérisons instantanées. Merci pour la liberté que tu nous as apportée. Nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Touti Koyoka, le Saint-Esprit nous a dit, le vieil homme a été détruit. Et après la résurrection de notre Seigneur Jésus, le nouveau homme a paru. La parole de Dieu déclare, c'est lui qui est en Christ. C'est une nouvelle créature. C'est un homme nouveau. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses, sont devenues nouvelles. Les choses nouvelles apparaissent. Les choses nouvelles. On a reçu conscience qu'il y a un nouveau homme na Katinayo. Par comment on a les nouveautés des choses. Amen. On va voir la santé de Dieu. Amen. On va voir la sainteté de Dieu. Amen. On va voir l'amour de Dieu. Amen. On va voir la puissance de Dieu. On va voir la faveur de Dieu. On consomme à ou à mercredi pour qu'il y ait un témoignage à homme nouveau. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Qui peut déployer capacité de Dieu. Na komo na Yesu, oui, le bonheur et la grâce.